Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est enfin le rangement de la bibliothèque. Vous avez assisté il y a un mois ou deux, ça fait longtemps en fait, hein, au tri de cette bibliothèque. Et depuis, je l'ai laissé en vrac en fait. J'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Et là aujourd'hui, je me suis dit que franchement, il était grave temps de m'en occuper parce que je commence à stocker des livres partout. Je vais vous montrer d'ailleurs sur le lit à côté. Donc on va essayer de ranger. Et le but, c'est de placer, je vais vous montrer tout le tas là. Donc tous ces livres-là, il faut que j'arrive à les rentrer dans les bibliothèques qui sont dans cette pièce. Je pense que du coup, ça va imposer de nouveau du tri parce que je suis en train de regarder et en fait, il y a des livres qui vont finalement nous quitter, hein, clairement. Parce qu'en fait, je les ai bien aimés, mais je les relirai pas. Donc, ils vont partir. Et je vais essayer de ranger, bah, du coup, tous ceux qui sont derrière moi et de les ranger par maison d'édition. Moi, j'aime bien que ce soit rangé par maison d'édition. Et voilà. Donc, on va faire ça. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui ou si j'aurai le courage de tout faire aujourd'hui, c'est ça aussi parce que. Bah parce que ça va faire beaucoup quand même. Bon allez, j'arrive pas à faire un vrai claque, vous êtes prêts? Allez, on se motive. J'ai mis sur le lit tous les livres qui doivent entrer dans la bibliothèque. Voilà. Donc je vais essayer de les faire rentrer dans la bibliothèque, ça va être chaud, je pense. L'état actuel, il faut que je fasse à la main, j'espère que je vais pas trop trembler. Donc, là on a la fenêtre, et ensuite j'ai gardé juste deux étagères VO, là complètement à gauche. Et là il y a quelques livres VO qui vont partir, et puis en bas ce sont des grands livres qui stabilisent un peu les bibliothèques. Voilà, actuellement là on a du Young Adult avec les PKJ, PKJ, les Lumen, et puis d'autres maisons d'édition Young Adult. En bas on a tous les Scrineo, les collections R, après là on a par là, là. Différentes maisons d'édition et ensuite on attaque avec l'étage King et Brandon Sanderson en sachant que là King ça va attaquer la deuxième étagère parce que j'en ai trop. Là pareil, de la fantasy, de la dystopie. On a les Charleston, du contemporain, du thriller. Là je pense que je vais pouvoir ajouter les faubourgs Marigny, etc. Là c'est la bibliothèque jeunesse que j'ai pas mal triée. Et je vais encore en trier parce que je ne vais pas tout garder. Et là à côté c'était les poches que j'ai commencé à trier parce que je les mets sur la bibliothèque qui est sur le palier, donc là-bas. Donc il y a encore des poches qui vont partir et il y a de la romance en bas. Donc voilà. Ça fait quand même, quelqu'un m'a demandé, bah, il y a 6 grandes Billy en fait, comme ça, et une colonne. Et là-bas j'ai un chat qui essaye de se carapater sous le drap. Biboui, qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc... Il faut que j'arrive à caler tout ça dans la bibliothèque. Voilà. Ah, tu t'installes. Bah, ça limitera, t'as raison. Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre les hardbacks de Saxus, Bragelonne et tout. Dans celle-là, je vais laisser les PKJ là et les Lumen. Et voilà, on va faire ça, je vous montre. Bon, je m'attaque à tout ce qui est contemporain et tout, et là, c'est prise de tête totale. Parce que j'en ai beaucoup à rentrer, et je sais que j'en ai pas mal dans ma pile à lire, donc ça va être un peu le bazar. Ouais, c'est un peu chaud bouillant, là. Bon, bah, on va tâcher de faire ce qu'on peut, mais c'est pas gagné quand même. «
Du coup, j'ai réussi à vider ça, là. Donc ça, c'est une bibliothèque. Alors, on voit pas, parce que c'est là-haut. Mais celle-là, là, elle a pris un coup dans le déménagement il y a 2 ans. Mais alors, un pétard de coup. Hein. Il y a un gros trou dedans. Bref, j'ai réussi à, vous voyez, à vider tout ça. Ils sont là, les jeunesses. Donc jeunesse, hein, pas young adulte, vraiment jeunesse. J'ai décidé de faire un gros tri. Il y en a aussi un peu, j'en ai gardé un peu en bas, là. Je vous ferai le tour après. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sur le lit, il en reste vraiment beaucoup. Et que je sais pas trop comment m'organiser. À savoir que mon coin, j'avais fait juste un étage thriller. Et en fait, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. Surtout que j'ai encore des romans fantastiques et tout, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les thrillers et tout ce qui est un peu cozy murder et tout, parce que j'ai plus de place et je vois pas comment faire autrement. On va essayer. C'est un vrai casse-tête. Et pourtant, j'en ai des bibliothèques. Hein. Mais et j'ai fait du tri. Hein. Bon, je sais pas si vous pouvez voir, il reste que ça. Alors ça paraît beaucoup, hein, mais en fait, non, pas du tout. Et le pire, c'est que j'ai retiré encore de ma bibliothèque. Alors, je vous montrerai à la fin, je pense, mais là, je suis déjà à 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Ouais, au moins déjà 25 bouquins... 25 bouquins qui partent en plus de la dernière fois, donc c'est plutôt cool. Voilà, bon, je vais ranger cela et ensuite je vous fais le tour de la bibliothèque. Alors tous les collecteurs et tout que j'ai mis en haut de la bibliothèque, clairement je vais pas les attraper parce qu'en fait je vais me les prendre sur le coin de la tronche, donc voilà, on fera ça à un autre moment. Voilà, on verra. Donc pour l'instant je vais ranger ceux qui sont là et je suis contente, il y a des trous, ça veut dire que le but, c'était d'avoir... parce que bon, forcément, ma pile à lire, elle est quand même bien balèze. Alors, j'essaye d'en garder encore moins que ce que je gardais avant. Vraiment, même des livres que j'ai adorés, je vais pas forcément les garder. Déjà parce que je me dis, bon, c'est bien qu'ils circulent. Et puis parce que, honnêtement, si c'est pour devoir trier ma bibliothèque définitive, là, tous les 6 mois, ça va me saouler, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, les murs sont pas extensibles. J'ai déjà 6 Billy, plus une petite. J'ai 2... une ou deux, je sais plus, sur le palier. J'en ai 2 en bas. Enfin, sincèrement, je commence à avoir, je crois que j'ai 10 de Billy dans la maison, elles sont pleines. Donc au bout d'un moment, c'est pas possible, je peux pas. J'ai rajouté des étagères. Voilà. Alors d'ailleurs, je voulais juste faire, pendant qu'on est là, tiens, pendant que je vous tiens et que je fais une pause, je voulais juste débriefer un tout petit peu. J'ai vu des commentaires sous ma dernière vidéo, ou sous TikTok, je sais plus, bref. De gens qui me disaient, ah putain, je le rêve d'avoir une pièce où il y a que mes livres, avoir autant de Billy, etc. Alors, ouais, clairement, j'ai énormément de chance, j'en suis complètement consciente. Maintenant, les personnes qui m'ont laissé ce message, c'est beaucoup de personnes assez jeunes. Il faut pas oublier que je suis une vieille, hein. J'ai 40 ans. Ça fait 30 ans que je lis, que j'accumule des livres. Et ça fait presque 20 ans que je vis seule. Enfin, avec Chris, mais voilà, que je suis plus chez mes parents. Et du coup, bah, ça fait 20 ans que j'ai commencé à acheter des Billy. C'est-à-dire que là, dans la pièce où je suis, je les reconnais. Hein. Là, il y en a 2, elles ont fait la guerre. Hein. En plus, moi, j'ai beaucoup déménagé. Donc, je peux t'assurer que, heureusement qu'elles sont accrochées entre elles. Parce que sinon, il y en a 2, là, j'aurais peur de me les prendre sur le coin du pif. Hein. Elles sont dans un état dégueulasse. Elles ont beaucoup voyagé. Elles sont pétées de partout. D'ailleurs, je suis même en train de me demander si elles vont faire le prochain déménagement, parce que elles sont... Enfin, il y en a une, Enfin, je vous ai dit, il y a des trous dedans, quoi. Donc, je commence vraiment à m'inquiéter. Et je vois bien que les étagères, alors non seulement elles sont tordues comme ça, mais même au niveau des attaches, maintenant, il y a un jour de ouf, en fait. Voilà, je sais même pas si elles vont... Sincèrement, là, je regarde les deux en face de moi, je suis en train de me dire, je suis même pas sûre qu'elles supporteraient un autre déménagement. Oui, parce qu'un déménagement est prévu, alors je vous annonce pas que je déménage, c'est juste que, je l'ai toujours dit, hein, quand on s'est installé ici, c'était juste pour revenir en Bretagne, et en fait, on voudrait acheter une maison, donc le jour où on trouvera, on déménagera, hein, parce qu'ici je suis en location.
Enfin voilà, donc tout ça pour dire que les Billy, j'en ai 10, mais je les ai accumulées en 20 ans, quoi. Donc c'est pas, elles sont pas arrivées comme ça, du jour au lendemain. Les bouquins, c'est la même chose. Et la taille de la maison, bah c'est pareil. C'est parce que tu avances avec l'âge, tes revenus avancent avec l'âge aussi. C'est un peu les évolutions de carrière qui se font comme ça. Et puis, t'arrives à avoir un peu plus de place. Le premier appartement qu'on a eu avec Chris, on avait 30 mètres carrés. Voilà, c'était vraiment tout petit. En plus, lui, il travaillait de nuit, donc c'était très compliqué, mais parce qu'il y avait qu'une pièce, en fait. Donc c'était très compliqué. Mais bref, tout ça pour dire que c'est l'évolution, et vous inquiétez pas, si vous vous donnez moyen de le faire, il y a des chances que vous arriviez à avoir la bibliothèque dont vous rêviez, en fait. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... C'est pas inatteignable, c'est ça que je veux dire. Et pareil, avoir autant de livres, c'est pareil, tu sais, au fur et à mesure, même si, effectivement, moi j'en reçois beaucoup, mais j'en recevais pas comme ça avant, hein, faut pas croire, hein. Mais même si j'en reçois beaucoup aujourd'hui, il y a des bouquins qui sont là depuis très longtemps, et c'est parce que je les ai accumulés, en fait, donc tout simplement. Alors là, j'avoue que l'étagère Charleston, elle a pris une punaise de claque l'année dernière, parce que j'étais lectrice Charleston. Donc déjà avant j'étais partenaire, donc j'en recevais quelques-uns. L'année dernière j'ai reçu toutes les sorties de l'année, et pourtant je garde que ceux que j'ai préférés. Mais en même temps, chez Charleston, ils ont mes autrices que j'adore. Ils ont Sophie Jomin, ils ont Marie Vareil, et Karine Pitoki, que j'aime énormément, Martha Hall Kelly, et encore, j'ai pas en grand format les 7 sœurs, moi je les ai en poche. Donc voilà, ils ont Laura Trompette, enfin, je veux dire, ils ont un catalogue aussi chez Charleston. J'ai envie de te dire, c'est compliqué de pas craquer, quoi. Voilà, c'était la pause blabla. Maintenant, je vais ranger les derniers livres qui sont là pour vous faire un petit tour de la bibliothèque. Je pense que dans un vlog, je ferai avec vous un peu le tri des mangas, etc. Mais je le ferai dans un vlog parce que je sais que ça intéresse beaucoup, beaucoup moins de monde, tout ce qui est graphique et tout. Donc je l'intégrerai à un vlog, mais beaucoup plus rapide. Parce que j'ai beaucoup de tri à faire dans mes mangas. J'ai tendance, pareil, je les reçois, je les empile. C'est une catastrophe en ce moment, donc... Voilà, parce que sur le palier, du coup, c'est manga, BD et les poches adultes. Et voilà. Donc, on va faire ça. Je range ça et je vous fais le tour. À l'extrême gauche, près de la fenêtre, on a les VO en haut. Ensuite, on a là les deux Saxus que j'ai lus et que j'ai choisi de garder. Il y avait des Bragelonne en hardback, un Arthur Conan Doyle en anglais. Et là, c'est tous les hardbacks que j'ai en français. Donc, Rivka, Actu SF. Il y a quoi? La Martinière. Bon, là, il y a une étagère de libre, voilà. Ensuite, quelques VO que je garde. Donc, les Pocket Jeunesse que je garde parce que je les ai adorés et que je pense qu'il y a une possibilité que je les relise. En dessous, pareil, du PKJ. Bon, là, c'est mes chouchous, hein, les Sherlock et puis les Charlotte Holmes aussi. Hunger Games, Nevermore, forcément. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui est Marissa Meyer. Les Lumen, alors, on voit bien que mes gardiens s'étaient perdus, ont pris le soleil. Hein, quand je vivais à Saint-Raphaël, ils étaient en face de la fenêtre, ils ont bien pris le soleil, ils sont totalement décolorés. Mais c'est pas grave, ils ont vécu. Hein. Il y en a deux en bas, donc que j'ai pas encore lu. Ensuite, pareil, Lumen, donc la saga La Couleur du Mensonge, de Lune et de Sang, In the After et In the End que j'ai adoré, Levi E. Schwab. En dessous, c'est que des livres sombres. Donc on a Levi E. Schwab. Ensuite, on a des Hachettes, on a les... Alors Guild, que je garde pour le moment, hein, mais quand j'aurai lu le tome 2, je pense qu'il partira. Quelques Plumes Blanches, ensuite les Hachettes. Quelques Hachettes que j'ai bien aimées là dans les dernières parutions. Donc on a bon Belle Morte, c'est pareil, ça reste là le temps que j'ai lu la suite et après ça partira, je pense. La Tribu des Dieux, faut que je lise le tome 2. Shankar, Skandar que j'ai adoré. Prison Heller que j'ai adoré, faut que je lise le tome 2. Onyeka que j'ai adoré. Ensuite on a quelques rajouts. Dernier étage. Des romans plus anciens, donc notamment la saga de Dan Wells, Les Étoiles de Nos Head, et puis ensuite on passe au Snag, au Naos et quelques livres que je ne savais pas où mettre. Là, je viens de vous montrer ces deux bibliothèques en fait. Hop. Et maintenant, on va passer à ces deux-là. Et c'est parti.
Alors en haut, j'ai rien changé. D'ailleurs, une nuit, elle est morte là. Donc c'est les Brandon Sanderson. J'ai laissé de la place parce que j'en ai dans ma palle. Donc j'ai rien changé. Ensuite, quand on descend, c'est les étages King. Donc là, on a des Stephen King en poche, des Joe Hill, donc le fils de Stephen King. L'étage du dessous, c'est que des King en poche. Hop, tout le long. Voilà. Ça, c'est la Fun House, donc avec ça. Toujours du King, donc en grand format, le coffret de ça, le coffret de Le Fléau. Ensuite, des romans qui me font penser à des romans de King, donc le Stephen Jbowski, là, L'ami imaginaire, et puis le livre de M, que j'ai adoré. Là, j'ai mis du fantastique adulte, j'en ai pas beaucoup, en fait. Hein. J'ai donc les Robert Jackson Bennett, que j'adore, j'attends le tome 3 avec forte impatience. Ensuite, on a QI, de Christina Thatcher, La mer sans étoiles, que j'ai adoré. Voilà, la voiture de Marty McFly. Le temps des sorcières. En dessous, on a du coup la collection R, donc les seuls que moi j'aime. D'ailleurs, je suis hyper frustrée parce que, après nous, là, de Mireille Jundir, on n'a jamais eu la suite et je suis vraiment frustrée, mais de ouf en fait. Voilà, là, on a les électrogènes de chez Gulfstream, mais les vieux, je ne sais pas s'ils en font encore d'ailleurs dans de cette collection, mais moi, c'est vraiment les tout premiers qui étaient parus. Voilà. Et en dessous, on a. En dessous, on a du coup tout ce qui est Scrinéo, donc forcément tous les livres d'Aurélie, des livres de Cindy Van Wilder, donc ouais, Aurélie, Gabriel Katz, et voilà. Dans la toute petite d'à côté, on a quelques romans fantastiques. Alors Illuminae, pour l'instant, je les ai gardés, mais je me tâte, je pense qu'ils vont finir par partir. On a des romans Talent Haut, donc tout cela là, hop. Je vous recommande très fortement cette maison d'édition pour tout ce qui va être young adulte engagé. Ensuite, on a Calam, qui est une saga de fantasy que j'aime vraiment beaucoup. On remonte, on va avoir Paris des Merveilles, The Mask, Les Outrepasseurs. On remonte, on est avec les Sarah Gimas. On remonte, on est avec de la dystopie que je cache parce que je prépare une vidéo. Ensuite, on a tout ce qui est Six of Crow, Red Queen, et en haut, on a le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est un peu la nouveauté, on va passer à ces deux bibliothèques, qui sont donc bibliothèques de littérature adulte, sauf tout en bas, et après, on attaquera la dernière. En haut, on a du Charleston, forcément, avec les romans de Julien, avec les romans de Martha Hall Kelly, Laura Trompette et tout. Là, j'ai mis les quelques Faubourg Marigny qui sont lus, j'en ai d'autres qui vont arriver. On continue en dessous, c'est toujours du Charleston, j'en ai pas mal hein, du Charleston forcément. Voilà, là on a les livres de Sophie, les livres de Clarisse Sabar, il y en a beaucoup, les livres de Marie Bareil. Donc voilà, ça fait pas mal, ça fait pas mal, hein, regarde, hop, de Charleston. Et pourtant, j'ai pas tout gardé. Quasiment, enfin une grosse partie des livres de Karen, voilà, qui sont là, ils sont de là jusque là. J'en ai certains en poche donc ils sont pas là. Du Virginie Grimaldi, Baptiste Beaulieu, voilà. Ensuite, j'ai mis des contemporains un peu plus noirs, donc avec le Amélie Antoine, le Yann Manouk, les J.R. Dos Santos et le Ken Follett que j'ai adoré. Ah oui, au fait, si vous trouvez que je suis un peu essoufflée, c'est normal, je commence à être malade et j'ai un peu de mal à respirer. Bref, en plus avec la poussière, là, c'est un peu compliqué. Donc cet étage, c'est du Jenny Colgan, voilà. Elle a son étage à elle toute seule avec lumière. Magnifique, n'est-ce pas? En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a du Liane Moriarty, du Anna McPartlin, on a des romans asiatiques. On a, qu'est-ce qu'on a? Les Cécilia Ahern. On a Nos plus belles étincelles, qui est un roman que j'adore. On a les Agnès Martin-Lugan, que j'ai en grand format, les autres ils sont en poche. Du Pete Fromm, le roman de Sarah. Et en bas, c'est toujours les MXM. Et les romans de Blandine Paix-Martin, d'ailleurs il faut que j'enlève chez MXM certains romans là, les Ivy Wild, parce que je me suis acheté l'intégrale, donc c'est un de le garder en double, c'est bête. Dans celle d'à côté, j'ai mis les thrillers, donc on a Donato Carisi, on a l'unité alphabet de Jussiel Derolson, parce que moi je l'ai juste adoré, on a les romans de Jérôme Loubry, on a quelques grands formats de Sir Cédric, les romans de Olivier Norek. On a Jonna Gustafsson, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre, Paul Clément, et puis un John Grisham.
En dessous, j'ai continué avec toujours un peu de thriller et du roman noir, avec des coups de cœur. Hein, donc Glen Affric, qui est un vrai coup de cœur. 1991 de Fontillier, qui est un coup de cœur. Celui-ci, oh mon Dieu, j'ai tellement aimé Nos âmes au diable. Coup de cœur de l'année dernière, L'Empire blanc. Coup de cœur aussi, Les somnambules. Coup de cœur aussi, Les femmes en colère. Voilà, j'ai adoré. Et puis on a le Magicobus. En dessous, on a ma batterie, parce que j'avais plus de batterie. Les Cozy Murders, que je garde et que j'ai pas avancé. On voit que sur la saga de Julia Chapman, je suis à la bourre. Hein. Voilà, donc il faut que j'avance. J'avais une étagère vide, donc j'ai mis mes jolis bouquins de chez Flammarion. En dessous, du jeunesse, avec quelques Gallimard que j'ai gardés, les romans de Anne The Green Gable, la passe miroir que j'ai toujours pas virée, mais qui va finir par virer parce que je suis pas fan du tout en fait de cette saga, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en séparer, c'est trop bizarre. Les mystères de Larry Spem, c'est une très très bonne saga jeunesse, si vous connaissez pas, vraiment foncez. Et en dessous c'est un peu mes reliques que je veux pas, dont je veux pas me séparer parce que c'est des sagas qui sont dures à trouver, donc Ex-Hall, Thrill. Bon, après il y a toutes les sagas de Olivier Gay là sur la droite, et puis au milieu c'est ceux de la collection Poulpe que j'ai gardé parce que je les aime beaucoup. Et j'ai pas fait la poussière sur les étagères du bas, ça se voit, voilà. Ensuite, sur la dernière étagère, donc on passe à celle-ci là. Voilà. Donc tout en bas, c'est des Hugo romans que je garde. Donc c'est des Brittany Cecchery et la saga Marked Men, voilà. Et sinon, c'est que du Brittany Cecchery. Au-dessus, ce sont mes romances de Noël, petit format, parce que les grandes sont dans un placard, mais sinon petit format. Là, on va avoir les J'ai lu semi-poche. Voilà, d'ailleurs, il y a un roman de Florana, là. Si vous aimez les belles histoires, On comptera les étoiles est incroyable. Vraiment, il est incroyable, cette romance est d'une beauté, vraiment, vraiment, mais c'est une pépite, les gars, je vous jure, allez-y. J'ai encore... je sais pas en combien d'exemplaires je les ai, ces romans. J'ai encore... Les étoiles de noces aide de Sophie Germain. D'ailleurs, j'ai très envie de relire cette saga. J'ai vraiment très envie. S'il y en a qui sont tentés, vous me dites et on se la fait ensemble. Ensuite, j'ai mis La Croisée des Mondes. Là, c'est une saga que j'adore de Jenna Showalter, mais je crois qu'elle est introuvable. C'est Alice au Pays des Zombies. Et j'adore cette saga. Elle est fantastique. Et j'espère de tout cœur que vous pourrez la trouver parce qu'elle est géniale. Ensuite, on a tout ce qui est saga de Jennifer L. Armentrout, donc Lux, Covenant et Origin. Au-dessus, les Lucinda Riley, les Annie Darling aussi, que j'ai en joli coffret. Dedans, il y a les bouquins. Voilà. Ensuite, il y a quelques romances que je m'étais achetées et que j'ai jamais lues, mais elles sont pourtant là, elles sont pas dans ma palle. Je sais pas. Des fois, j'ai envie de les virer, et puis après, je me dis, ouais, mais imagine, j'ai envie d'une romance. Parce que c'est pas ce que j'ai le plus dans ma palle, hein. Voilà, et ensuite les seules poches qui ont survécu à mon tri. Donc petit gros parce qu'il est extraordinaire. Le ciel est ma limite qui est génialissime. Qui veut la peau d'autodafé, c'est une pépite. Un Maël Dessart. Ma collection de Charlotte Lupin et moi. Et d'ailleurs, j'en suis qu'au 9, il faut que j'achète la suite. Voilà, bon, je vous laisse regarder. Les Sauveur et Fils, il y a un nouveau tome qui va sortir, les gars, chez Sauveur et Fils, c'est de la bombe. Les Esther Parmentier, et puis forcément les Sarah Crossan, qui est une de mes autrices chouchou en littérature jeunesse. Là, on a tout ce qui est Marie Desplechin et Mario de Muraille. La saga de l'épouvanteur, qui est incomplète. Et quelques coups de cœur jeunesse. Donc voilà, vous avez fait le tour de mes bibliothèques. Voilà, pour une vue un peu plus d'ensemble. On est comme ça. Voilà, je suis plutôt satisfaite. Là, on a une petite bibouille. Ça va, mon cœur ? Qui surveille mes deux livres Disney qu'il faut que je descende. Voilà. Je sais pas si j'ai beaucoup, beaucoup de rush au moment où je rangeais. Parce que j'avoue que c'était pas facile. J'arrêtais pas de pousser l'appareil photo parce qu'en fait, il me gênait pour circuler dans la pièce. En tout cas, je suis très contente parce que j'ai enfin réussi à caler tous les livres lus dans ma bibliothèque. Si vous allez voir mes vieilles vidéos de Bookshelf Tour, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu pas mal de changements, c'est-à-dire qu'avant j'avais quasiment toutes mes bibliothèques étaient remplies de littérature jeunesse. Maintenant je les garde pas forcément, je note très
je note dans un coin et voilà, mais c'est vrai que je garde que les gros coups de cœur. Je les garde plus tous parce qu'au niveau volume, j'y arrive plus en fait. Clairement, je m'en sors plus. J'essaye quand même d'être. J'essaye quand même de faire du tri, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements. On va trouver beaucoup plus. Alors, du young adulte, il y en aura toujours. C'est vraiment une littérature que j'aime beaucoup. Surtout tout ce qui est imaginaire en young adulte. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, forcément, vous allez en retrouver. Fantasy adulte, il y en a, mais je les garde pas tous. Il y en a pas mal dont je me suis séparée. Puis il y en a pas mal qui sont en poche, donc qui sont dans la bibliothèque qui est sur le palier. Forcément, et puis voilà, sauf les kings hein, qui sont tous là, qui sont beaux, je les aime. Il y a de plus en plus de contemporains dans ma pile à lire, mais ça, il y a de plus en plus de contemporains dans ma bibliothèque, mais c'est vrai que ça tourne en fait, c'est à dire qu'il y a quelques années il y avait beaucoup de contemporains, puis finalement ensuite j'avais trié, je me suis retrouvée avec beaucoup plus de jeunesse. Là, et eh ben mon cœur va en fait là actuellement ma bibliothèque correspond vraiment à ce que je lis, et encore. Oui, si, ça correspond à ce que je lis, fantasy, fantastique, young adulte, fantasy, fantastique, adulte, du contemporain, young adulte et adulte, du thriller, ouais, du thriller, du, ouais, du coup, je lis vraiment un peu de tout, en fin de compte, et c'est cool, j'aime beaucoup avoir mes espaces comme ça, différents, j'ai encore de la place, et ça, c'est hyper rassurant, parce que ça veut dire que, par exemple, si là, je décide de lire un tome de, je sais pas, de la saga de Julia Chapman, La Rendez-vous avec le crime, et ben je sais qu'une fois lu, je peux la ranger, en fait. Enfin, je peux ranger le bouquin, et ça, c'est cool. Pas obligé de les empiler partout, c'est vraiment chouette. Voilà, et le fait de ranger, et ben ça m'a permis de retrier, et du coup, j'ai viré 30 livres à peu près, voilà. Mais comme je l'ai déjà dit la dernière fois, ce n'est pas parce que je les aime plus, hein, c'est juste que j'ai besoin de place, et puis je sais pas... Bah faut qu'ils tournent, ils vont aller chez quelqu'un d'autre et c'est plutôt chouette, quelqu'un qui les trouvera d'occasion ou quelqu'un qui les trouvera en boîte à lettres, je trouve ça assez chouette de me dire que ça peut permettre à quelqu'un d'avoir un bouquin moins cher, c'est cool, moi ça me fait de la place et ça rend quelqu'un heureux, donc nickel. Voilà, je suis très contente, je suis très très contente de cette pièce, vraiment, j'aime beaucoup, je suis contente d'avoir ces beaux livres comme ça auprès de moi et je suis très chanceuse en fait, j'ai l'impression d'avoir un trésor à la maison, c'est trop génial. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi vous comment vous triez votre bibliothèque. C'est vrai que je me pose souvent la question, est-ce que je la trie par genre, est-ce que je la trie par maison d'édition, etc. Faut dire que souvent les maisons d'édition ont une ligne éditoriale, donc c'est vrai que t'arrives facilement à ranger par maison d'édition et genre, mais par exemple Albin Michel, il publie tout, tu fais comment en fait? Donc je suis très curieuse de savoir comment vous rangez votre bibliothèque. Est-ce que c'est juste en fonction des tailles? Est-ce que vous la rangez par couleur? J'ai vu que ceux qui la rangent par couleur, c'est beaucoup ceux qui lisent de la romance parce que les dos des livres de Hugo, etc. sont très colorés, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, j'avais fait une fois par couleur, mais en fait, c'est une vraie galère quand tu veux ranger un livre. Donc j'avais renoncé très vite. Et voilà, donc je préfère faire par maison d'édition. Je trouve ça assez cool. Et voilà, n'hésitez pas vous à me dire comment vous procédez. Est-ce que vous avez fait un tri ou un rangement récemment? Si vous avez fait quelque chose et que vous l'avez posté, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous l'ai déjà dit, mettez pas de lien parce que ça part en spam, mais c'est dommage, mais dites-le nous, on ira jeter un coup d'œil. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, qu'elle vous a détendu, parce que clairement c'est le but, c'est pas du tout de vous faire un étalage de tous mes bouquins, c'est juste de vous détendre, de vous donner des idées de rangement, de vous motiver aussi peut-être à ranger votre bibliothèque. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, parce que c'était le but en fait, donc voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve dimanche dans le vlog lecture, avec une thématique que je trouve fun, donc voilà, on se retrouve dimanche dans le vlog lecture, je suis cassée là en fait, ça m'a achevé ce rangement, je vous fais des gros bisous, et puis c'est tout, je me tais parce qu'il y en a marre, bisous.